Hello tout le monde, c'est Super Brioche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Ratchet & Clank Crack in Time. Donc un épisode que j'enchaîne directement après le précédent, donc je n'aurai pas eu vos retours pour cet épisode. Je prends un petit peu d'avance vu qu'on fait la semaine spéciale Ratchet, j'en ai un petit peu besoin quand même. On avait récupéré Clank, qui a maintenant, qui nous permet d'utiliser la bombe temporelle. Et ça peut être très utile, la chronobombe. Azimuth s'était enfui, c'est pas vraiment enfui, mais surtout séparé de nous parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Et on va se casser d'ici, voir ce que ça nous dit. Est-ce qu'on va se rendre à la grande horloge? Qu'est-ce que ça va nous dire? Voyons voir. Méga héros à Ratchet, allez! C'est... le capitaine Quark? Clank? Eh bien, je serai un oncle Scrunch. D'où est-ce que tu viens? Pas le temps d'expliquer. Faut qu'on empêche Nefarious d'atteindre l'horloge. On fait route vers la station, mais tu dois trouver un moyen de l'arrêter. Bien vu, Ratchet. En fait, je suis bien plus invisible qu'avant. Et de retour à la maison, on ne devra plus en reparler. On se retrouve à l'extérieur de la station. Ratchet et Clank, terminé. Ratchet et Clank, ça fait plaisir de retrouver ce petit nom, quoi, ensemble, enfin. Bon, j'avais dit qu'on ferait peut-être des lunes si j'avais l'occasion, mais j'ai pas trop envie. La station est là, mais... neutraliser la barrière orbitale. Ah, d'accord, ça lui a balancé sur la tronche. Ok, je peux atterrir sur la station spatiale de Nefarious. Eh bien, écoute, on y va tout de suite. On y va, je veux avancer. Je sais pas où on en est du tout dans le jeu, mais... de voir la station de Nefarious, ça m'inspire pas. Ça se trouve, on va faire la semaine Ratchet pour terminer le jeu. Mais j'avais dit que je ferais avec tous les Oni, donc... je verrai après cet épisode, je me renseignerai où on en est. Je pense vraiment pas être à la fin, je pense que... c'est pour faire croire un peu. C'est quand même facile d'aller sur la station de Nefarious, hein. Easy, pépère, tu t'installes. Ok. Allez, je suis sur un astéroïde situé à l'intérieur du périmètre principal. Viens me rejoindre au plus vite. J'ai triangulé la position du capitaine Quark. Je la synchronise avec ton unité de navigation. Alors attends, il y a un vendeur d'armure. Alors déconne pas. Non, toujours bientôt. Oh, bon tant pis, on va faire sans nouvelles armes, mais j'ai peur que ça coûte vraiment cher. Ça se trouve, vous me l'avez dit et je l'ai pas vu. Pourtant, j'ai regardé les commentaires. J'ai pas vu cette information. Attends, quand même que je regarde la carte. D'accord, pour l'instant, c'est très linéaire. Pas de soucis. Mais bon, je préfère ne pas gâcher mes boulons. C'est dans quelle direction? Y'a quoi là-dedans? Cette merveille inflige un maximum de dégâts. Mais regardez le prix aussi, 91 000 boulons pour le robot de cuisine. Client Polaris, remise d'être activée. Bienvenue, chef. Ouais, ça c'est pour l'autre, c'est pour lui qu'il y a une remise. Magnétophilet. 37 000. Bon, vous me direz, à mon avis, l'armure elle coûtera 100 000, donc on pourra peut-être s'acheter ça. On peut peut-être s'acheter le magnétophilet, mais franchement, on se l'achète. Le magnétophilet est parfait pour neutraliser les ennemis imposants sur le champ de bataille. Lance un magnétophilet contre un ennemi. Ses orbes ionisés emprisonneront le malheureux dans un redoutable filet électrique pour te conférer un avantage tactique indéniable. Soit tu fais tomber l'ennemi... soit tu t'échappes. Le magnétophilet, uniquement disponible chez Grubanet. Ok. Ok, elle sera plutôt sympa, on va essayer de l'améliorer aussi. J'ai pas mal d'armes finalement qui temporisent les ennemis, genre le truc qui glaçonne. Ça, ce sera pas mal. Bon, j'espère vraiment que la prochaine... bon, ça veut bien dire que ça veut... ce que ça veut dire. On n'est pas à la fin du jeu puisque on n'a pas encore ça. Voilà, donc ça me rassure. Je vais aller dans cette direction, même si je pense que c'est pas par là. J'ai... un pressentiment que ce n'est pas par là. Pourtant j'y vais quand même. Oh, j'avais même pas vu. Alors c'est pourquoi?
Encore pour lui. Du coup, bah, on n'a pas trop testé le brûleur. Ricochet. Convertisseur, cette munition permet de punition de rebondir. Ah oui, mais j'adore ça. Ça fait penser au placement mitraille de Ratchet 1. Alors ça, je préfère. Je préfère. Fais voir. Ouais, ça me fait vraiment penser au placement mitraille. Placement mitraille en or, par contre, attention. Hop là, évidemment. Évidemment! Que voulez-vous que je vous dise? On a donné tout ce qu'on avait la semaine dernière. La semaine dernière, n'importe quoi. À l'épisode précédent, j'étais plutôt pas mal. Et là, bah voilà, il n'y a plus d'espoir, quoi. C'est quoi ce vaisseau qu'on voit apparaître à chaque fois? Moi, je vais aller là-bas. Il y a peut-être un Zoni. Je pense que c'est un Zoni. Bon, on refait pas la même, par contre. Hein. Faut que je pense aussi à la chronobombe de Clank, qui peut être utile. Ou au saut. Mais bon, le saut, il est assez bizarre à utiliser, franchement. Ça fait vraiment des trucs bizarres. Je prends ça. Exploser. Boum. Boum, boum, boum. Alors, il y a à gauche, là. Et on peut monter. Il y a bien un Zoni quelque part. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais aspirer avec ça? C'est quoi? Je reconnais même pas. C'est de la glace, de l'eau? Prends ça. C'est de l'eau. Ok. Oh, bonjour les caisses mignonnes. Ça c'est des caisses coquines. Des caisses qui se cachent. Alors, d'accord, je pense que c'était parce que ça... C'était trop chaud pour les petites patounes de Ratchet. Voilà. Je vous esquive, je vous esquive. Je veux mon Zoni. Je suis sûr qu'il y a un Zoni ou quelque chose. Ou au moins un boulon d'or. Ou un truc du telt. Qu'on ne me mente pas quand même. Ah ah ah, je l'ai entendu, tu es là. Ok, par contre tu es un peu emprisonné hein. Ok, il me faut de l'huile. Il y a effectivement des caisses qui changent. Alors l'huile, je la trouve où? J'ai le clair. Je la trouve où? Dans cette direction. Ok, je pense. Hop hop hop, doucement, doucement. Wop hop hop hop, qu'est-ce qui se passe? Allez! Prenez-vous du magnéto filet! Ça, ça marchait bien dans Opération Destruction et je crois que ça va encore bien marcher. Par contre, c'est très chiant d'utiliser ce genre d'arme. Chaque fois, je sais pas comment l'améliorer. Vas-y, fais-toi emprisonner là. Non, ça marche pas trop. Ah, mais je l'ai pas à la bonne! Eh oh! Vas-y! Ok, ça l'a tué. Et elle est déjà améliorée. Ok, je pose pas de questions. Ça me va très très bien. Ok, lui ça l'a tué. Vas-y, 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 continue. Il est déjà en V2, mais genre max V2 quoi. Ok, on va l'améliorer très vite. Au moins qu'elle rattrape son retard. Ok, lui il est là. Lui il est ici. Non, c'est pas le bon truc, voyez. Aspiration. Voilà. Non mais aspire. T'as assez aspiré là. Ok, on va dire que oui. D'accord. Tu fais boum. J'ai dit tu fais boum. Voilà. Libération du Zoni. C'est ça au moins. Ah non non, ne t'enfuis pas. Ne t'enfuis pas. C'est pas possible déjà qu'on le libère. Et en plus il s'enfuit quoi. Bon il retourne au début, à la limite c'est pas grave. C'est bien le début là. Attendez, j'ai un doute. Oui, si, si, on est bon. C'est bon, je l'ai. Parfait. Nickel, 25 sur 40, je crois. Il y a quand même du boulot, mais bon. Prends des munes. Peut-être pas tout. Non, mais c'est bon, ça, t'es gentil. Non, mais, hé! Je suis sûr que c'est une arme très puissante. Mais, vraiment, je pense que l'armure est très, très importante. Alors, attention, il y a du monde. On peut peut-être faire un peu ça. Hop, hop, on glaçonne. Hop, hop, on filet. Franchement, on... Je sais pas. On gère avec toutes nos armes qui maîtrisent les ennemis. Attention. Allez, boum. Vous voulez du froid? L'électricité, ça vous plaît pas? Allez. Toi là-bas aussi. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. J'aime beaucoup. Appuie sur triangle pour utiliser le véhicule.
Oh, d'accord. C'est un téléporteur. Alors là, on va faire de même. Hein. J'ai quoi? J'ai le lance-filet? J'ai le lance-filet. Hop, tu fais ça. Tu fais ça. Tu fais ça. Oh, je l'ai raté, lui. Attends, attends, attends. Tu prends du froid, s'il te plaît. Du froid, du froid, du froid. Allez, les mines. Au boulot, les mines. J'ai plus de mines. J'ai plus de mines pour les mines. Boum, boum, boum. J'ai plus de mines pour ça non plus. Eh ben, on finit avec ça. Ta 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 ta. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Alors, attends, parce que là, t'es en train d'apparaître, mais je crois que là, il y a justement des mines. Je crois qu'il y a un vaisseau qui me permet de retourner au début, là. J'ai eu des cryomines, donc on va pas se gêner. J'en ai 9 sur 10. Oh là, il y a du monde en plus. Boum, 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 du froid, allez, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà, et on va repasser à une arme un peu plus badass, parce que là, je perds de la vie. Hop, et j'ai dit que je voulais de la V5 pour cette arme. Oh, po, 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 Zurkon, s'il te plaît, Zurkon, Zurkon, fais le boulot. Va faire le boulot. Attendez, je sais ce qu'il me faut, là. Tu veux bien choisir ça, merci. Non, bah j'ai pas pu. J'ai pas pu. Ils vont me remettre juste là-haut, non? Oui. On va continuer à améliorer celle-là, elle est presque en V3. Ok. Glacé, 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 glacé. Je les utilise un peu dans le vent quand même, celle-là. Hein. Les glaçons. On va pas s'en plaindre trop. Ok, ça explose. Voilà. Alors attends. Là, on va pas se faire avoir. Hop. Hop. Parce qu'il y en a qui ont des espèces de tourelles ou je sais pas quoi là qui faisaient très mal. Attends. Dansez, 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 dansez. Là, on va pas prendre de risque. Hein. Hop là, voilà, c'est parti. C'est lui là-haut qui fait chier. C'est bon, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Voilà. Mais oh, j'avais pas vu que Zurkon aussi il dansait. J'aime bien. J'aurais dû y penser sur les boss, genre sur. Je sais plus son nom. Sur les boss, ils font une petite danse, faut que j'y pense. Peut-être sur Nefarious plus tard, ça peut être sympa. Vraiment, ça peut être cool. Allez, go! Ah, d'accord, j'avais pas compris. Il y avait des flèches. Nickel. Attends, on va pas trop vite. En général, c'est sur ce genre de plateforme qu'il y a des trucs. Alors déjà, il y a des caisses coquines, mais est-ce qu'il y a pas un plan? Un holoplan, s'il vous plaît. Non? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, alors ça m'inquiète. Remets ça. Y'a rien du tout, là. Hop, justement, là. Prenez ça, prenez ça, prenez ça. Voilà, ça va mieux, hein. Ça va mieux, 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 là. Ah, j'ai plus de mun du tout là, de ça non plus. Je commence à manquer de mun d'armes puissantes. Ah, quoi que là, je suis à fond, ça va. Alors, le magnétophilet passe en niveau 3. Plus de dégâts, plus de mun. Merci beaucoup. C'est pas mal. Ouh, les deux trucs là-bas. Attendez, je vais reprendre un Zurkon parce que eux, ils font mal. On va peut-être faire danser un peu tout ça. Histoire de d'en détruire quelques-uns. Voilà, c'est eux là. Pas de musique. Dans le calme, s'il vous plaît. On améliore les armes. Voilà, merci. Je vois rien du tout. Dégage. Il y a beaucoup de lumière quand ça danse, là. Hein. C'est ceux-là qui font mal aussi. Est-ce que j'ai... Non, j'ai plus rien de très puissant. J'ai ça, mais pour viser bonjour. Oh là là, oh là là. Oh là là, je prends des risques. Oh là là, que je prends des risques. Non, je fais vraiment pas de dégâts comme ça. Jure qu'on revient. Ça. On va être pas mal avec ça. C'est bon. Ouh. Je sais plus qui me disait une fois oh, tu changes jamais d'arme, c'est chiant. Mais je suis désolé. J'ai vraiment l'impression de changer d'arme, moi, curieusement. Bon, en tout cas, ça avance. On meurt pas trop, je suis plutôt satisfait. Il y a des jours où c'est pas trop ça et on arrête pas de crever en boucle. Là, ça va. Tu me transportes, toi? Oui. Oh, Quark! Ça alors, bienvenue petit. Je suis content de te revoir.
Tu sais qui est un piètre acolyte. Il y a des gens qui ne prennent pas notre travail au sérieux. Mais je suis pas du genre à rester à me tourner les pouces pendant que les autres risquent leur vie. Tu crois que je me croise les bras? Eh bien, regarde un peu ça, hein? C'est une de ces bombes fumigènes qu'utilisent les espions lorsqu'ils prennent la fuite. Oh, laisse tomber. Tiens, voilà la plus ingénieuse et la plus infaillible de mes trouvailles. La station spatiale Nefarious, une forteresse imprenable, remplie de dangers et... de fenêtres. En jouant de mon charme féminin, j'ai réussi à convaincre le personnel de surveillance de dérouter le vide ordure de l'aile sud. Ce sera donc notre point d'entrée. Une fois les capteurs de mouvement désactivés, on devrait pouvoir rejoindre l'aile sud. Grâce à mes 8 années d'atelier de théâtre au lycée, j'incarnerai la ravissante Shannon et personne ne me démasquera. Mon objectif sera de vous escorter jusqu'ici. Oups, ça c'est une photo de vacances prise à la station MacTar. J'ignore comment elle a atterri ici. Je vais vous escorter jusqu'ici, à une sortie d'échappement thermique bien située. On devra ensuite se délester d'une bonne partie de notre masse graisseuse afin de se glisser par cette sortie. Je devrais peut-être me charger de cette partie de la mission. Bien sûr, on gagnerait du temps. Bon, cette sortie conduit directement au quartier personnel de Nefarious. Grâce au holorayon gigamorphique, tu pourras le scanner et créer ainsi un déguisement holographique pour Ratchet. Avec ce déguisement, on devrait passer facilement devant les gardes et infiltrer la salle de contrôle des missions où on utilisera le terminal de sécurité pour atomiser tous les vaisseaux amarrés de la flotte. Une fois Nefarious fait comme un rat et l'horloge sécurisée, on pourra contacter les autorités galactiques et je serai alors en mesure de me délecter de leur admiration sans limite. Bon, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a avec cette tenue d'infirmière? Ingénieux, pas vrai? Ça fait partie d'une supercherie très élaborée. Ça implique un balancement des hanches et des yeux de bébé chien. Eh bien, le plan te va à ravir. Oh, merci. J'ai toujours adoré l'hiver. D'accord. Ok, suivons le plan. On y est. L'ultime confrontation entre le bien et le mal. Tu sens cette odeur? C'est l'odeur du drame. Je sens quelque chose, mais ce n'est absolument pas l'odeur du drame. Hé, hey, regarde les choses du bon côté. Au moins, on n'a pas succombé au piston. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ok, Zurkon tire sur des trucs, mais moi je vois rien du tout là. Je suis sur le point de faire quelque chose d'impressionnant. Des muscles qui font mal, des bras qui brûlent, des mollets qui ont l'air parfaits. What? Blocage détecté sur le compacteur d'ordure, 7-1-4. Fermeture du compacteur. Ratchet, tu as entendu? J'ai réussi! Je viens de l'emporter sur la technologie. Boum. Ça a été juste. Les soldats vont arriver d'un moment à l'autre. Il faut qu'on continue. Ok, vas-y, vas-y, j'ai entendu le plan, mais là vous arrêtez pas de parler et vous n'avancez pas très vite. Voilà. On peut y aller. Les hommes de Nefarious sont partout dans ce secteur de maintenance. Va falloir y aller, mollo. Regarde et apprends. Bonjour, je suis l'infirmière Shannon et voici le docteur Archibald von Pantalon Crépu et son interne robotique, Gundalf Pignon Métallique. Le docteur Nefarious nous attend. Vous n'êtes pas autorisé ici. Préparez-vous à mourir, infirmière Shannon. D'accord, ouais, ok. En gros, c'est pas du tout de l'infiltration et ça me va très bien. On doit avancer. Bonjour. Je sais pas s'ils viennent à l'infini encore ou pas. C'est bien leur genre, donc on va... S'ils viennent là... Oh, ça s'ouvre pas, ça. Montre-moi la carte, quand même. D'accord. Attends. C'est par là, en tout cas. Je pense qu'il faut avancer assez vite. À mon avis, ils vont revenir en boucle. Voilà, je suis trompé d'arme. Prends le filet, prends le filet. Wow, wow, j'ai pris des super dégâts, là. Faut sauter, il faut sauter. Il faut sauter... J'ai pris masse dégâts sur un truc là. Y a pas de la vie. Là.
Merci. J'ai pas vu où était le vendeur d'armure. Il est derrière moi. Il y a un vendeur d'armure, non? Ou j'ai rêvé? Attends, je sais pas lire un plan, moi. La flèche est chelou, hein. La flèche est à l'envers ou je rêve, là? Bon, on va dire que c'est à l'envers, parce que c'est... Oui, c'est le vendeur est en face. C'est pas d'une clarté magnifique, mais bon... Prends des munes. Merci. Ok. C'est par là. Bonjour. C'est moi. Je viens foutre la merde. Je viens foutre la merde. Hop, on va faire danser tout ça. Ça marche plutôt bien. Hop. Non, ça danse pas là. Ça a pas trop dansé. Bon, écoute, c'est pas grave, j'ai pas pris de dégâts. Ah, ça y est. Fou. Ouh. Alors, vous dansez, oui ou non? Oui ou merde? Non, Quark, pas toi. Toi, il faut que tu tapes. T'es vraiment mauvais des fois. T'es vraiment mauvais. Allez, elle est presque en V5 celle-là. Ok. Prendre la vie. On a perdu pas mal quand même. Voilà. On avance. On va changer un peu. On va prendre ça. Ça va la glace? T'aimes ça la glace? La glace à la vanille. Hop. Oh la vache. Je sais pas si vous entendez les motos qu'il y a chez moi. Prenons ça. Oh, hop, 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 hop. Dégage-toi. Je t'ai vu venir. Tu dégages. Toi aussi. Putain, ils sont super nombreux. Attention. Attention, j'ai dit comme ça. Hop, hop. Vous êtes le capitaine Quark, c'est bien cela. Et voilà, d'autres volontaires. La vache, ils viennent vraiment beaucoup. Je commence à croire qu'ils viennent à l'infini. Hop. Comment savoir où est la suite, là, d'ailleurs? C'est une des deux sorties là-bas. Sauf qu'elles sont fermées, donc c'est pas à l'infini. Donc, bouge-toi, on les tue. Voilà, attention, faut sauter, faut sauter, faut sauter, faut sauter. La glace, ça fonctionne. Saute. Hop. Voilà. Prends le filet. Prends le filet et prends-toi ça. Voilà. Va falloir changer un peu. Mince, je suis trompé d'arme. C'est pas ça que je voulais. C'est ça que je veux. Hop, hop. Voilà, peut-être à droite par contre, non? Non, c'est bon. Oh, point de compétence, je sais pas trop pourquoi. En tout cas, ça marche bien sur eux, ça. Attention, il y a un très gros. Il y en a même deux. Elle va passer en V4, celle-là, elle va passer en V4. Allez, passe en V4. Passe en V4. Ok, je prends des risques là, je prends trop de risques. J'aimerais vraiment que tu passes en V4. Ou toi en V5, pourquoi pas. Avec des petits projectiles rebondissants. De l'autre côté, de l'autre côté. Ok. Allez, on décède. Eux, ils ont trop de vie, quoi. Ils ont beaucoup trop de vie. Alors, sur eux, justement, la bouboule électrique, ça marche très bien. Non, mais alors là, si tu vises n'importe comment, Ratchet, qu'est-ce que tu me fais, là? Allez, passe en V4, je sais que tu peux le faire. C'est lui qui balance des ennemis en fait, j'ai même pas capté. Boum. Et voilà, la V4 de la bouboule disco numéro 1. Ça y est, c'est ouvert. Ok, alors attends, est-ce que c'est ouvert là-bas aussi? Ah mais c'est ouvert pour la même chose en fait. Ça atteint la même salle après. Ah, arrête de te prendre n'importe où. Par contre, dégage. Je vais juste faire un petit check de Mumun. Boum. Voilà. C'est difficile à contrôler ce truc, mais c'est pas grave. Allez, arrête de te prendre tous les murs, c'est pénible, on se croirait sur Jack 2. Allez, au suivant. Au suivant, au suivant, au suivant. Alors, vous, vous prenez ça. Allez, esquive un peu mieux, esquive un peu mieux, esquive un peu mieux.
Hop. Reculez, 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 reculez. Voilà, voilà, voilà. Il y en a à gauche là qui vont venir ou pas? Il n'y a pas l'air. Ouf, pou, 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 pou. Attendez, elle va justement là. Passer à la bouboule électrique. Voilà, il y en a plus. Ça marche toujours aussi bien, ça. Franchement, on avance pas mal, hein. On va lâcher une bouboule. On va passer à autre chose. Je tire un peu dans le vent et j'espère que ça touche des trucs, en fait. Je prends un zircon parce que... pas mourir ici. Même si maintenant les Urcons finalement ils mettent plus trop non plus. Hein. Semble codé conformément au circuit de Nefarius. Il va nous falloir la holo apparence pour y accéder. Ok, donc là-bas il faut l'holo apparence, d'accord. Il faut d'abord aller par ici donc. On est sur la bonne voie. Vas-y, défonce la porte. Comme un grand garçon. Merci. Alors, attends. Peut-être faire danser des gens, ça peut être sympa. Je sais pas si ça va bien les atteindre d'ici, mais bon. Allez, on bouge, on bouge, on bouge. On reste pas immobile. On va s'occuper de ceux-là d'abord. Allez, 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 allez. C'est bon pour eux. Hop. Hop. Ouh, toi derrière. Ouh, ça craint. Ouh, ça craint. Il y a de la vie là-bas. Ok, ça c'est bon. Attention le petit là, je l'ai vu derrière moi. Il y a de la vie encore là-bas. Mais dégage toi. L'étape de la mission te revient. Saute dans le conduit et dirige-toi vers le bureau de Nefarius. On te couvre d'ici. Ok, on envoie Clank. Ordinateur, veuillez noter. Continuez, docteur. Chose à faire lorsque j'aurai le contrôle de l'horloge. Premièrement, doubler les Valkyries et mettre à la retraite Lord Vorcelon. Deuxièmement, rétablir la vendetta contre les formes de vie organiques. Et troisièmement, repasser mes chaussettes. Holo apparence terminée. Je retourne au point de rendez-vous. Tu as dû oublier de régler l'automesureur. Ah, eh bien, ça y était presque. Essaye ton modulateur vocal. Test, test. 1, 2, ça marche. Maintenant, finissons-en et rentrons. Ok, on est magnifique. Appeler Lorenz, déplacer le subordonné, punir le subordonné, faire danser le subordonné. Appeler Lorenz. Lorenz ! Oui, monsieur, vous m'avez appelé. C'est n'importe quoi, faut que j'aille là ? Dansez, imbécile! Je vous ai ordonné de danser! C'est pour cela que je ne donne pas ce numéro. What the fuck? Bon, appelle Lorenz. Oui, monsieur, vous m'avez appelé. Que puis-je pour vous, monsieur? Alors, faites-moi un rapport à la situation. Faites descendre l'ascenseur. Vous avez des nouvelles des Valkyries? Faites descendre l'ascenseur. Tout de suite, monsieur. Merci. Je m'en fous du reste. Wow, tu dégages! Ok, ça va être un petit peu spécial, j'ai l'impression. Une fois au centre, j'attirerai l'attention des gardes pendant que tu accèdes au laser de défense Hypernova. Compris. Mais comment je dois m'y prendre? Je ne sais pas vraiment, mais je suis sûr que tu vas trouver. Une chose, n'oublie pas de faire profil bas. Je peux pas appeler Lorenz, juste pour le fun. Où êtes-vous, Lorenz? Oui, monsieur, vous m'avez appelé. J'adore. Alors, voyons voir comment ça va marcher ici. Débarrasser le plancher. Je viens de raccrocher. D'accord. Centre de contrôle. Toujours pas la moindre trace du Lombax, votre méchanceté. J'accepterai peut-être un rendez-vous. Docteur Nefarius, ce n'était pas la peine de venir jusqu'ici. Le laser de défense Hypernova est tout à fait capable de nettoyer les débris. Dites, vous voulez le tester? Ouais. Les commandes sont à vous, monsieur. Ok. Et je pense que je vais détruire autre chose. Monsieur. Vous voulez vous en
Ok. Bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ces composants peuvent être remplacés. D'accord. Super petit. Tu peux pas tirer sur autre chose, sur ça? Ok, mais moi c'est sur les vaisseaux que je voulais tirer. Ah, peut-être là-dessus. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce composant peut être remplacé. Super petit, monsieur. La plateforme d'atterrissage est dégagée. Lorenz attend pour appeler la flotte. Quant à moi, je vais armer l'hypernova au cas où ce long bac se... Où êtes-vous, Lorenz? Oui, monsieur. Bonjour. Je suis occupé. C'est à quel sujet? Mais tu t'emmerdes pas, toi. Hein. Faites-moi un rapport, donnez la flotte d'atterrir. Je suis censé appuyer sur un bouton. Ils avaient bien dit que vous ne feriez pas bon usage de mon intelligence. Arrivée de la flotte en attente. Nickel. Où êtes-vous? On s'en fiche. Du coup, je peux réutiliser mon rayon, s'il te plaît? Monsieur, je vous le déconseille. Une fissure du réacteur du vaisseau pourrait pulvériser toute l'armada. Et alors? Votre méchanceté. Je vous déconseille d'utiliser le laser de défense en présence de vis. Voilà. Parfait. Alors, ils sont où les vaisseaux? Ah ah. Juste comme ça. Je me sens très proche de toi. Allez, c'est pas le moment de traîner. Oh mon dieu. Ok, on a le droit de se barrer. On a le droit de se barrer. Est-ce que je peux, voilà, s'il te plaît, reprendre mes trucs? Parce que... C'est pas que je pense que c'est dangereux, mais presque. Je pense quand même qu'on craint un peu là. Ok, y'a pas de soucis. Je vais rejoindre tout ça, y'a pas de problème. Excuse-moi, mais pour l'instant je suis un peu en danger. J'aimerais m'en échapper. Oh là, y'a du monde qui arrive encore. Attends. Y'a pas de la vie là-dedans. Là. Voilà, merci. Y'a beaucoup de monde. Attention. Voilà. Prends du froid, prends tout ce que tu veux. Dégagez-vous, dégagez. On est presque en V5 en plus là, elle va être améliorée. Et voilà. Félicitations, t'as acquis l'amélioration disque ravageur. Chaque disque est dorénavant équipé d'une frappe pyrocinique explosive. Nickel. De l'autre côté. C'est parfait ça, c'est une arme très rapide. Je pensais qu'elle serait moins puissante que ça. Et franchement, je suis très... agréablement surpris. Allez, dégage toi là-bas. Voilà, il a explosé. Encore un. Ça, elle est lente, celle-là. Elle est super lente. Oh là, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça, peut-être ça. Non, c'est pas assez bien. Il faut vraiment cibler correctement. Hop. Et on va rester avec cette arme-là pour l'instant, qui me fait vraiment gagner de la vitesse. Alors, est-ce que c'est moi qui ai encore mal compris? Et est-ce que ça vient à l'infini? Je peux pas activer ça. Non, il faut que je les tue. C'est ma hantise, quoi, les trucs infinis. Ah, bah nickel. Ok, on a eu un point de sauvegarde. Je vois qu'on est à peu près à 35 minutes. Je vais m'arrêter là pour pas démarrer encore une nouvelle zone. On va s'arrêter en plein danger. Je vais prendre tous mes petits boulons. Donc je vais rester en mini Nefarious parce que j'ai la classe comme ça. On va peut-être pas appeler Lorenz tout de suite, mais bon, pourquoi pas. Après voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai parlé moins vite. Moi, il m'a bien plu. Je trouve qu'on avance plutôt bien. Cette semaine Ranchette commence bien. En 2 jours, on a bien avancé, je trouve. On continue, peut-être pas demain du coup, s'il y en aura, il y aura genre 2 épisodes Ranchette. Donc là, c'est le 2e que vous venez de voir. Le lendemain, peut-être un Kingdom Hearts pour temporiser. Et après, on reprend Ranchette.
à la fin de la semaine. Voilà. Peut-être qu'on fera ça, je ne sais pas encore. Je sais pas encore ce que j'aurais décidé. Bref, d'ici là, portez-vous bien en tout cas, en attendant le prochain épisode. Et puis je vous fais des bisous. Voilà, c'est décidé, je vous fais des bisous. Allez, à la prochaine !